Ah, il fait chaud. Ne venez jamais à Paris quand il y a la canicule, parce qu'à Paris, quand il fait chaud, c'est pas genre 36 degrés au bord de la mer, à Montpellier, Bordeaux, Toulouse, dans le nord, dans la Bretagne, etc. Non, c'est la canicule avec la pollution en plus. C'est comment te dire, en gros, tu fais 36 degrés, mais en réalité, il doit faire au moins 50 degrés. On reste pas dehors une seule seconde. Et il y a le ventilo qui fait du bruit, je le sais, je vais devoir l'arrêter. Oh, j'ai chaud. J'en ai marre. Vivement qu'il pleuve. Hein. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne une vidéo, un nouveau haul spécial crash test Zafool. La marque m'a contacté par mail pour savoir si je voulais tester Zafool et je me suis dit mais oui, je veux tester Zafool. Ça fait très longtemps que j'entends parler de cette marque là, que je vois ça sur YouTube, etc. J'ai regardé plusieurs vidéos de chez de Marine LB sur YouTube et à chaque fois elle disait que c'était bien Zafool, etc. Au début c'était pas top, mais après ils se sont dit ah tiens, si on améliorait un peu la qualité, et la qualité des produits était beaucoup mieux. Donc je me suis dit, j'ai envie trop de tester, c'est trop un kiff. Donc voyez, ils m'ont contacté, j'ai accepté avec plaisir. Donc j'ai pu choisir les vêtements que je voulais sur leur site. Et après, ils me l'ont envoyé. Le seul petit hic avec Zafool, c'est qu'on a des frais de douane. Vous voyez, j'en ai payé, ça fait mal au fion. Donc j'ai payé 37,50€ de frais de douane. La marque va me rembourser normalement. Pour éviter cela, quand vous commandez, quand vous faites des grosses commandes, genre plus de 100€ je pense, prenez la livraison la plus longue. Parce que si vous prenez la livraison rapide, ça passe directement à la douane, donc ça sert à rien. Faut bien prendre la livraison la plus longue, au moins vous payez pas 37,50€ minimum et vous avez votre commande certes un peu plus tard, mais avec un compte en banque un peu plus élevé. Vous. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme vêtements. J'ai remarqué qu'ils ont augmenté leur prix sur Zafool. Avant c'était vraiment pas cher, c'était 5-10€ etc, mais la qualité n'était pas au rendez-vous selon les influenceuses, et là ils ont augmenté leur prix, donc je suppose qu'ils ont augmenté la qualité de leurs produits. Et donc c'est ce qu'on va voir dans ce haul, si la qualité est au rendez-vous, si c'est bien taillé, si le produit vaut son prix. Tous les vêtements sont emballés dans ces petites pochettes là de chez Zafool, il y a marqué Zafool. Donc voilà, tout est emballé là dedans. C'est bien, mais après c'est pas utile de tout emballer dans ces pochettes un par un. Je pense que c'est de l'argent et du temps de dépenser. Ils auraient pu faire un gros sac avec tous les vêtements à l'intérieur que prendre un sac, à mettre un vêtement, un sac, mettre un vêtement. Je trouve que c'est plus écologique de prendre un gros sac ou rien mettre du tout. Donc voilà pour les pochettes. J'ai pas encore essayé par contre, donc je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai pris une sublime robe blanche. Elle est super jolie. Donc le devant est comme ceci, donc c'est une robe blanche, on voulait trouver une robe blanche en dentelle parce que les miennes elles sont beaucoup trop courtes. Je les vends sur Vinted, donc je vous mets mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse, j'ai plein de robes à vendre. Le décolleté est en V avec des petites dentelles qui va sur le décolleté de la poitrine, je trouve ça très joli. Et le derrière, c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que c'est un lacet en fait. Vous lacez comme vous le souhaitez, soit vous mettez en zigzag, soit vous mettez droit, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai préféré le mettre en zigzag. Vous nouez en fait derrière et ça vous fait un petit nœud avec une super belle robe. Moi vraiment je n'ai rien à dire sur la qualité, elle est très belle, c'est très bien fini. Franchement ça pourrait se vendre chez Jennifer, chez Pinky ou autre. Franchement c'est une bonne qualité, donc pour l'instant ravie, après à voir ce que ça donne portée. On va voir ça. Donc pour cette robe je suis assez mitigée, je me sens pas trop à l'aise, enfin je valide pas, je vais pas valider. Elle est beaucoup trop transparente sur le bas, j'ai mis une culotte foncée comme vous pouvez le voir. Au niveau des seins je trouve que ça avait pas des jolis seins, et le derrière ce fut vraiment n'importe quoi, j'ai mis au moins 15 minutes à faire ça parce qu'en fait on peut pas l'enfiler avec les lacets, en fait pour l'enfiler et mettre les lacets ça prend beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop long et le résultat n'est pas trop au rendez-vous je trouve. En plus j'ai galéré à la mettre, à l'enfiler, donc j'ai mis du fond de teint de partout et je viens de voir que la robe elle est craquée, donc non c'est un gros flop pour moi, malgré qu'elle a été jolie, je la trouvais vraiment belle, mais ça sera un flop pour moi, dommage. Donc j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si je les retrouve. Ensuite moi j'ai beaucoup commandé, vous savez, des petites combinaisons, des petites robes, etc. J'ai vraiment voulu tester parce que je trouvais vraiment très jolie leur combinaison. Donc j'ai pris une espèce de combinaison en deux pièces en fait. Vous avez le haut comme ceci avec des petites marguerites, je l'ai trouvé vraiment trop jolie. Je trouve avec mes boucles d'oreilles ça va trop bien, c'est vraiment joli. Et derrière vous avez un petit bouton pour le mettre et vous nouez le dos.
Donc c'est vraiment très joli, la qualité est très 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 belle par contre. C'est doublé, donc c'est pas transparent. Après, à voir au niveau des dessins ce que ça donne. Mais très joli, vraiment, je n'ai rien à dire là-dessus, la qualité est très jolie. Et donc le bas, c'est un short. J'espère que ça ira, enfin, en tout cas c'est assez élastique. Vraiment très joli, les marguerites sont vraiment très belles. J'ai rien à dire non plus là-dessus, pas du tout transparent, très très bonne qualité, pas ras des fesses. Le haut est juste sublime, j'adore les marguerites, je trouve ça vraiment très joli. Le seul petit hic, c'est que j'arrive pas à la fermer derrière. Il y a un bouton en fait à fermer et j'y arrive pas pour l'instant, enfin j'ai galéré et je me suis dit vas-y pour la vidéo ça sert à rien de galérer pour le mettre. Donc voilà, mais en tout cas très jolie combinaison, vraiment j'adore. Et ça se met avec tout, ça se met avec un truc en or, des boucles d'oreilles jaunes, ça se met avec des sandales. Ah par contre faites pas d'intention dans les close-up, le bordel qu'il y a derrière, je suis en travaux. Je n'en peux plus. Je sais pas quand est-ce que je pourrai faire la vidéo sur l'update de travaux parce que ça prend du temps quand même. Mais ne regardez pas le background s'il vous plaît. Ensuite, dans le même style un peu, j'ai pris une autre combinaison en deux pièces. Celle-ci avec des fleurs un peu plus grosses, comme ça, voilà. Donc c'est un haut aussi court où tu noues le devant. De toute façon vous verrez mieux dans la close-up. Mais tu noues le devant, c'est assez transparent, la qualité, enfin le tissu est assez fin je trouve. J'espère que c'est pas un tissu où on transpire beaucoup. Et ensuite on a un short qui est un peu plus travaillé je trouve, avec une fermeture sur le côté. Après avoir porté ce que ça donne, mais il est très 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 joli, j'adore les motifs, ils sont magnifiques. Mais ouais, franchement très très beau. Et ben écoutez, il est pas du tout transparent, on voit pas du tout ma culotte. Je pensais vraiment qu'on verrait un peu tout et en fait pas du tout. Alors au niveau du haut, je suis un tout petit peu serrée au niveau des épaules, mais tu vois ça va, je peux quand même bouger. Le décolleté est assez plongeant, hein, mais après moi j'ai mis un soutif basique et j'arrive un peu à le cacher avec le nœud. Après vous pouvez mettre sans soutif, hein, c'est comme vous voulez, mais moi je suis plus à l'aise avec un soutif en vidéo. Et le short est vraiment super bien taillé, j'aime vraiment le short, il est très très bien taillé, la fermeture est très jolie, elle est très bien faite, enfin moi j'ai rien à dire. Il est pas ras des fesses et tout, enfin moi j'aime beaucoup, donc cette tenue est encore validée. Vraiment je n'ai rien à dire, c'est très très beau. Et ça se met vraiment avec tout, c'est très beau, c'est très léger, avec cette chaleur qui fait dehors, enfin moi je trouve ça vraiment bien. Donc c'est validé. Ça c'est trop le genre de tenue que j'aime trop pour mettre l'été, un short, même tu vois tu peux juste garder le short et mettre un autre haut par exemple, tu vois. Genre j'adore ce genre de modèle, tu peux garder aussi le haut et mettre un autre bas. Franchement j'adore, 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 ils ont fait une très très belle collection de combinaisons de pièces. Oh maman, qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, j'ai pris cette petite, toujours combinaison en deux pièces, de ce motif-là. Je trouvais vachement beau le motif. J'avais vu ce motif circuler sur le site de Pinky. Et la robe, elle est vraiment très jolie, sauf qu'il n'y a plus ma taille. Et là, j'ai vu la petite combinaison avec ce motif-là, très jolie. La qualité est super belle, par contre. Ça, c'est vraiment une très belle qualité. Ça me fait penser un peu, vous savez, au petit pyjama tunique. Donc, c'est pas un pyjama, hein, c'est vraiment une tenue. Et vraiment très jolie. Alors, le derrière, vous avez un espèce de petit V comme ça. Et le devant, ou le derrière, je sais pas. Ah, non. Non, je me suis trompée. Là, c'est le devant. Et le derrière est comme ceci. Quoique le devant, il me paraît vachement échancré, hein. On verra bien. Et le derrière est comme ceci. Donc vous avez un petit trait là et après vous nouez le dos. De toute façon vous verrez mieux dans le close-up mais la qualité est très 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 jolie. Et le short est comme ceci avec des petits pompons. J'aime trop les pompons, moi en ce moment c'est trop mon kiff. Donc ça c'est pas du tout transparent. Après il faut mettre une culotte claire mais c'est pas du tout transparent, c'est assez joli. Donc après à voir ce que ça donne si c'est pas trop ras des fesses. J'adore celui-ci, j'adore sa coupe, il est vraiment trop trop beau. Donc vous avez un short qui est vraiment pas ras des fesses, ça c'est cool. Au moins on est à l'aise, on dirait un peu un pyjama, j'aime trop ça. Le décolleté est sublime. Après voilà, faut mettre le soutien-gorge adapté. Là j'ai un soutif blanc basique. Donc ça va, mais faut pas mettre ce genre de soutif je pense. Faut mettre un peu plus, vous savez, échancré qui arrive à là. Qui arrive en dessous et pas un soutif basique. Et ensuite le derrière est vraiment très joli aussi. Vous nouez derrière le dos et c'est bon quoi. Je trouve ça vraiment très joli. Après voilà, faut bien ajuster au niveau du décolleté. Là je l'ai très mal fait parce qu'on voit un peu le soutien-gorge. Il est un tout petit peu grand au niveau des épaules. Mais il faut que j'ajuste bien en fait. Faut que je le descende bien derrière pour qu'il soit pas trop grand. Mais sinon j'aime bien, j'adore le motif. Il est vraiment trop joli. Donc ça c'est aussi validé.
pour ma part. Et en plus, c'est pas une matière très chaude, c'est une matière un peu chill, tranquille. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et enfin, une jupe que je voulais vraiment trop, une jupe en jean, et j'en trouvais pas des top top top. Donc là voici, vous avez des poches sur le devant avec une petite fermeture qui va sur tout le toute la longueur. Elle me paraît assez courte et assez petite. Je pense pas que ça sera ma taille. Je le sens pas trop, ça me paraît vachement trop serré et trop court. C'est une jupe taille haute quand même et elle est assez courte. Donc bon, on va voir ce que ça donne à l'essayage. Et bien comme prévu, la jupe c'est beaucoup trop serré et surtout beaucoup trop court. Là, il y a mes fesses en fait, donc tu soulèves ça, tu vois ma culotte. Court, donc ça je donnerai à ma sœur. Elle fait une taille en moins que moi, donc je pense que ça lui ira. Mais sinon elle était jolie, hein. Franchement je suis dégue, j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Mais vraiment très jolie. J'ai rien à dire non plus là-dessus, à part sa taille. Mais très bonne qualité, c'est un bon jean. La fermeture est bien. Enfin bon, j'ai rien à dire là-dessus, à part sa taille qui est beaucoup trop petite. Mais je sais pas si je prends une taille au-dessus, est-ce que ça va être un peu plus long? Je pense pas. Je sais pas. En tout cas, c'est beaucoup trop court et beaucoup trop serré pour moi. Et enfin, j'ai pris cette magnifique tunique que je vous montrerai en close-up. Ce sera beaucoup plus joli. Mais elle est vraiment très belle. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment un petit look assez mignon. Je vous montrerai mieux dans le close-up. Mais elle est vraiment très jolie. Après, on transpire un peu dedans, je vous avoue. C'est une matière qui fait un peu transpirer. Mais j'aime trop. Elle est trop jolie. Et en plus, avec les boucles d'oreilles, je trouve que ça va trop bien. Genre j'aime trop ton truc. Alors pour la robe je vous montre, elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie avec des petits volants là sur le devant. Je trouve ça vraiment bien. La longueur est vraiment parfaite. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est pas ras des fesses. Mes fesses elles sont là et la robe elle est là. Donc c'est mi-cuisse donc c'est assez joli. Le décolleté est vraiment beau. Enfin moi j'aime bien ce genre de robe avec un décolleté V bien plongeant. Ça met bien en valeur la poitrine. Et en plus ça va super bien avec les boucles d'oreilles moutardes comme ça. Je trouve ça vraiment trop joli. Et le dos, je sais pas si je peux bien vous montrer. J'ai fait un petit nœud en fait. Vous avez un lacet. Comme ceci, vous avez un lacet que vous nouez et après vous faites un petit nœud derrière ou devant, comme vous voulez. Moi je préfère derrière, je trouve ça un peu plus mignon. Mais elle est vraiment trop belle, enfin j'aime beaucoup trop. Les couleurs sont magnifiques, enfin moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite robe. Ça, celle-là, n'hésitez pas, elle est à la bonne taille. Après il faut juste ajuster au niveau des bretelles parce que sinon c'est un peu grand. Mais moi je l'ai bien serré, ça ne baille pas trop donc voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai pris ensuite des petits bracelets. Donc j'ai pris ce petit bracelet avec une petite tortue sur le devant. Il est vraiment trop joli en fait, j'adore l'effet un peu marbre et tout, je trouve ça trop beau. Et ensuite il y avait aussi ce petit bracelet là avec un petit cœur. Toujours un peu effet marbre. Un autre bracelet avec une petite perle comme ça, c'est assez joli je trouve. Enfin, c'est assez fin et assez joli pour l'été. Un autre bracelet avec un petit crabe. J'ai trouvé trop mignon, vraiment trop chou. Et enfin un autre bracelet avec un petit faux diamant juste là. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce bracelet là, c'est pour ça que je l'ai pris ce petit ensemble. En plus c'était pas cher. Donc là au moment où je vous parle je n'ai toujours pas essayé les vêtements, je vais le faire juste après. Mais de mon ressenti les vêtements, la qualité est vraiment très jolie. Rien que ça quand je l'ai porté je trouvais ça vraiment trop joli, c'était ma taille. Donc moi ma taille c'est la taille M, j'ai pris que du M dans tous les trucs. Mais je pense que la jupe sera beaucoup trop petite, je le vois. Donc après ça dépend, vous avez de la chance, vous avez pas de la chance. Mais j'ai pris du M à chaque fois, je me suis pas cassé la tête. Donc voilà, en tout cas les vêtements sont de bonne qualité, enfin c'est une qualité convenable par rapport au prix. Tu payes un prix pas trop cher donc t'attends pas à un truc hyper haut de gamme non plus. Moi j'ai trouvé les vêtements très jolis, une large gamme de choix en tout cas sur le site de Zafool. Ils ont des combinaisons vraiment très jolies, des beaux motifs. Franchement j'ai eu du mal à choisir, je me suis restreint parce que c'était tellement beau tout ça que je me suis dit vas-y on va pas prendre plus de choses que prévu. Mais vraiment très belle collection, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a aussi Ygral sur Zafool, c'est à dire que dès que vous payez sur Zafool vous avez un cashback qui se met directement sur votre cagnotte Ygral. Et je trouve ça bien que Ygral fasse ce genre de site de Zafool, au moins quand vous commandez pour 100€ ou 50€, je ne sais pas, vous avez quand même un cashback dans votre cagnotte. Donc ça c'est vraiment cool de leur part. Et moi j'ai toujours mon lien de parrainage hein, qui est en barre d'infos, de toute façon tout est en barre d'infos. Je vais aller essayer tout ça, de toute façon vous l'avez déjà vu dans la vidéo, j'ai essayé, j'ai donné mon avis. Mais vraiment très belle collaboration. Je suis très contente d'avoir collaboré avec eux, ça arrivait très rapidement. La personne qui s'est chargée de moi a été vraiment très gentille,
très aimables. En plus, ils ont fait l'effort de parler en français, de faire des traductions en français. D'habitude, on parle en anglais, et là, ils ont fait l'effort de faire en français. Donc, c'est gentil quand même de leur part. J'ai pu leur répondre aussi en français. Donc, c'était vraiment super cool de leur part. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Mais en tout cas, à vous, je suis pas du tout déçue du résultat. J'aime vraiment bien leurs produits. Ils sont top. Donc rien à dire là-dessus, je recommanderais moi-même toute seule sur le site de Zafool. Je prendrais par contre la livraison longue, parce que payer des frais de douane c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais vraiment très 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 contente de ce site. Donc n'hésitez pas à aller checker sur leur site parce que les combinaisons, surtout celle-là, la robe, là, oh my god, elle est trop belle, elle est vraiment géniale. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne juste ici si c'est toujours pas fait. Je vous mets d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.